c'est une petite banderole amicale pour la libération des gilets jaunes, pour une amnistie pour les gilets jaunes, et on aimerait bien que les trois autres soient en prison à leur place, ça ferait de la place dans les prisons. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'en pense que pour qu'ils comprennent que le pouvoir d'achat c'est important, et que les gens avec un minimum de salaire peuvent pas accorder les deux bouts chaque mois. Okay. Donc pour leur faire comprendre à ces trois personnages, Macron, Castaner et puis Édouard Philippe, que le pouvoir d'achat est important et qu'avec un minimum de salaire par mois, certaines personnes et même beaucoup de personnes ont du mal à accorder les deux bouts. Donc, et pensez aussi aux retraités, aux handicapés. Et aux travailleurs aussi, qui est au moins un minimum de 1500 euros net par mois, déjà, ça serait pas mal. Ah, bah c'est eux qui le disent, ça. Ouais. Mais c'est eux qui font l'abus. Bah ouais. C'est pas les gilets jaunes. Mais ça, ils le comprendront un jour. Bah c'est des arrestations arbitraires. Et en plus, c'est des condamnations, en plus, souvent très arbitraires, parce qu'ils sont jugés sans vraiment un procès équitable. Ceux qui les acceptent, oui, mais il faut refuser les conférences immédiates. Il faut se laisser défendre, trouver quelqu'un pour se défendre, parce que c'est vraiment de l'arnaque. Et beaucoup les gilets jaunes, mais jamais dans la police. C'est tout à fait normal, ils vont pas taper sur leurs enfants. C'est les enfants des ministres, des assez riches, les riches, tout ça qui sont là, et on va pas leur taper dessus. On les libère après. Mais nous, on n'est rien, nous. Manipulation du gouvernement, forcément, ça crève les yeux. Jeu de mots, ça crève les yeux. Qui sont ces enfants? Oh, c'est les enfants des ministres, des hauts fonctionnaires. Des hauts fonctionnaires, tout qui ça. Des politiciens, les black box. Les black box, mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais ils veulent pas le... Et après, ils sont libérés, vous inquiétez pas. Ils vont pas rater ses enfants, leurs enfants, forcément. Ça les arrange. Et après, ils disent que c'est des gilets jaunes. Ah oui, on est des méchants, nous, les gilets jaunes. Et des violents. On n'est pas gentils. Voilà, on n'est pas gentils.